Salut tout le monde, ici Twiki. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur The Uncertain, qui est un jeu dans lequel vous incarnez un robot. Start a game, oui, ok. Voilà, un robot dans un monde dans lequel les humains sont éteints, il n'y a plus d'humains, voilà. C'est un jeu qui est uniquement en anglais, donc je vais tâcher de vous faire l'interprétation, parce que du coup ça va être du direct, sachant que les dialogues sont très dynamiques. Il n'y a pas moyen de les arrêter, les mettre en pause ou quoi. Voilà. Au milieu du 22e siècle, l'humanité s'est éteinte en résultat des guerres cruelles et mortelles. Quoi qu'il en soit, les robots qui ont été créés par les humains sont après à se débrouiller tout seuls, voilà. Et donc maintenant, c'est eux qui dirigent le monde un petit peu. Chaque robot s'est trouvé une utilité, voilà, en fonction de ses compétences. Je rate la moitié du dialogue, mais bon. Plus ils ont fait de progrès, plus ils ressemblaient aux humains. Étonnant. Je vous expliquerai un petit truc sympa après. I am a robot, model RT217NP, primary mission unknown. I am not designed for physical exercise. I am certainly not capable of construction activity, but I am very skillful with electronics. I have set myself a task. I search the remains for electronic devices and make use of them to design different mechanisms that are useful and efficient. Humans, we replace them. It took them ages to achieve what we have done in just a few years. We have formed a perfect society. Robots will not repeat the destructive human mistakes of the past. We are rational and logical. We do not fight in wars, and we cannot get ill. By replacing humans, we interrupted the self-destructive cycle of these intelligent but highly aggressive former inhabitants of the Earth. But it is going to take decades to reconstruct the world that they destroyed. Then, our robot race will flourish under the guidance of our creator, the USS Corporation. Our world is not perfect yet. We are short on many resources, and we can count only on ourselves, but this is temporary. Most robots need to be repaired very often, but not me. I am very efficient at taking care of myself. Il y a beaucoup de chargements dans le jeu, je trouve. Chaque fois qu'on arrive dans un lieu, même un petit ou un grand, il y a un chargement. Je trouve ça un peu gênant. Mais pas très grave. Je voulais vous expliquer un truc ouais, qui était assez intéressant par rapport au fait que les robots commençaient à agir comme les humains. Il y avait une expérience qui avait été faite. Alors attendez, je vais laisser rentrer dans cette maison. Une expérience qui avait été faite avec un algorithme de reconnaissance faciale sur la beauté, voilà, donc mais par rapport à des critères très précis, hein, symétrie du visage, proportion, des choses comme ça. Je finis mon histoire juste après ça, parce qu'il va parler. I only brought one battery this time, though it might be compatible with the radio. Alors, une seule pile cette fois, I need to find a second battery. Mais elle devrait être compatible avec la radio. La deuxième batterie est avec mes outils. Voilà. Et donc, par rapport à cet algorithme, je vous expliquais, voilà, que... changement de clavier. En fait... on peut courir et tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cet algorithme était capable de reconnaître, donc, physiquement, une personne qui était belle d'une personne qui était laide. Comme je vous ai dit, par rapport à des critères comme la symétrie ou les proportions du visage. Mais... ils ont soumis je sais plus combien de candidats, mais une quantité assez énorme de candidats pour donner des photos gratuitement pour tester cet algorithme. Et il se trouve que l'algorithme a pris en compte des paramètres assez inattendus. Par exemple, il se trouve qu'à la fin de l'expérience, il y avait quasiment, mais vraiment quasiment, aucune personne de couleur dans l'eau. Et donc, ils se sont rendu compte à ce moment-là qu'effectivement,
du moment que l'humain programmait la machine, il y avait quand même des paramètres qui rentraient en compte de manière inconsciente, quoi. Et j'ai trouvé ça très fort. Donc là, voilà, on nous explique que les robots, c'est un peu pareil ici, ils agissent comme des humains. Et voilà. Enfin, ils agissent de plus en plus comme des humains. Je voulais vous montrer le phonographe, voilà. Parce que le phonographe, j'ai trouvé ça très rigolo quand j'avais fait la démo du jeu. Cet analogue te permet d'extraire du son d'un transporteur de données audio. Et je vois pas l'utilité quand on peut juste faire ça. Et là, le robot, donc, la musique est tombée, je suis tard. Voilà. Pareil, à ce propos, il y a des petites perles cachées dans le jeu. Enfin, cachées entre guillemets, je cherche un petit peu en fait. Le disque de données que j'ai trouvé est endommagé. Mais peut-être que je vais pouvoir récupérer quand même quelques infos. On va le mettre là-dedans. Je vous montrerai un truc que j'avais découvert dans la démo que j'avais bien aimé. Parce qu'il y a, quelque chose que vous devez savoir sur ce jeu, c'est qu'il est entièrement indépendant. Ce ne sont que des artistes indépendants qui ont travaillé dessus, que ce soit sur les images, sur les sons, et toutes les images, les animations, les tout. Donc tout ça, c'est indépendant. Voilà. Et du coup, on trouve des petits trucs très sympas. Ici, par exemple, dans la démo. Alors, dans la démo, c'était pas la même musique. Mais celle-ci est sympa aussi. Mais très sympa en tout cas de trouver des petites musiques comme ça, franchement. Moi je trouve ça très cool. Bon, je vais couper parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais voilà. On va pas regarder ni les appels ni les emails parce qu'il y avait rien dedans la dernière fois. Donc, par le fait qu'il y ait des mises à jour disponibles pour ceci, voilà. Donc ça, c'est le point de restauration, on va dire. Enfin, de restauration de... Comment dire? Ah, de recharge, voilà, le point de recharge du robot. Et c'est par là aussi qu'il reçoit les mises à jour, et si on regarde le truc, ça explique tout simplement que... Ah, non, attendez. Elles ne vont pas là-dedans, les piles. Et donc il explique, si on regarde le truc, bah, prends-les, que lui, il a bidouillé pour plus recevoir les mises à jour. Voilà, voilà, donc maintenant il va... On va réactiver la radio. This compartment contains textiles. Humans covered their bodies with it. The purpose of this is unknown. Que ce meuble contenait du coup des textiles dont les humains se recouvraient, mais lui ne sait pas pourquoi. Voilà. Hop. Alors ça, du coup, je l'avais déjà fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Je vais essayer d'être assez rapide. Je vais pas speedrunner le jeu. En plus, je connais pas tout le jeu, donc... Voilà, donc on met les piles là-dedans, on referme le compartiment. Hop, on retourne la radio, pardon. On l'allume et on va tâcher de trouver une station. Station radio fonctionnelle. Tac. On monte le son. Et là, hop là. Voilà, on va faire ça. Faut aller assez loin. Je me rappelle dans la démo, c'était assez loin. Et cet acte héroïque restera dans le cœur toujours. Je sais pas ce qui sont tombés. Avoir donné leur vie pour rien, protéger. La tradition, tout ça. Et lui, il explique qu'il comprend pas comment juste un discours humain peut pousser les gens à participer à la guerre. Et il dit que ce serait plus rationnel quand même de faire des négociations, quoi. Ok, non, on veut passer. Et pisser. C'est n'importe quoi. This is no time to rest. Ah, c'est pas le moment de se reposer, hein. J'ai autre chose à faire, ok. Et ça alors, qu'est-ce que c'est? T'as pas payé tes factures? Tu le laisses traîner par terre? Putain, abusé quoi. Margaret,
On t'attend en bas, Margaret. Bon, il se passe beaucoup de trucs là-dedans. Je vais pas tout vous traduire. La moitié de l'assiette est vide. Ah ouais. Ok, donc apparemment ils se sont disputés dans la famille, dans les gens qui avaient là. Je vous laisserai lire et traduire si vous le souhaitez. Ah! Answer the call. Je vais répondre. This is the construction robot who ordered the plasma cutter. C'est le robot de construction qui a commandé le cutter. Hello? À plasma. RT, allô? This is TX27. It was difficult to find your contact information. J'ai du mal à trouver votre information de contact. J'étais supposé avoir déjà, enfin, avoir terminé le cutter à plasma il y a 2 jours. Pourquoi je ne l'ai pas reçu? Hang up. Non. Je n'ai pas trouvé les composants. Je suis désolé. Ça a pris plus de temps que je ne le pensais pour trouver tout ce qu'il me fallait. Ouais, mauvaise excuse. La date d'échange a été fixée. Vous devriez m'avoir apporté le locuteur. Il a raison. Il a raison. C'était à moi de me démerder. Voilà. Je vais l'intimider. Voilà. Avec tout respect que je vous dois, la destruction que les humains ont causée a rendu la recherche d'équipements compatibles difficile. Ah, j'ai raté l'autre morceau. Donc vous devez attendre aussi longtemps. Ouais, obtenir des items rares est toujours complexe, on le sait tous. Mais voilà. C'est notre faute, on aurait dû faire attention à tout ça, prends tout ça en compte. Voilà. Je vais lui dire que ce sera prêt pour demain, tout simplement. Voilà. Bien, merci, nous vous attendrons. Je ne peux pas échouer dans ma tâche. Je ne suis pas du tout convaincant, quoi. Les robots de construction, c'est important, donc il faut que je finisse ça le plus vite possible. Ça tombe bien, de toute façon, nous, on a que ça à faire. Voilà. Voilà, donc là, il faut mettre les icônes les unes avec les autres. On va tâcher de commencer par les plus simples. C'est-à-dire, par exemple, celle-ci avec celle-là. Où est l'autre? Celle-ci avec celle-là. Là, on a une espèce d'escalier. Il est où mon autre morceau d'escalier? Ça avec ça. Ça avec ça. Et en fait, c'est très sympa, les petits puzzles comme ça dans le jeu, j'aime bien. D'ailleurs, le jeu n'est fait quasiment que de petits puzzles comme ça. Ce qui est bien, c'est de l'électronique, et moi j'aime bien l'électronique, et le robot est spécialiste de l'électronique, donc voilà. Très bon compromis. S'il avait été spécialiste de la baston, ça m'aurait plu aussi, hein, pas de problème, mais ça n'a pas été pareil, quoi, pas le même charme. Là-haut. Hop. Avec ça. Je suis pas mauvais pour ce coup-ci. Les deux dernières fois que je l'ai fait dans la démo, c'était pas ouf. Hein. Là-haut. Ça. Avec ça. Ça. Avec ça. Et enfin, celui-ci avec celui-là. Succès! J'ai trop fort! Voilà! Alors je sais pas du tout pourquoi il fallait que je répare cette grosse machine, puisque du coup le plasma cutter fonctionne très bien. Good. Mais écoutez, the cutter is now complete. Puisqu'il tomorrow me fallait. Morning, I need to go to the city and deliver it. I do not need the battery that they offer in payment. But it would be irrational to refuse. J'ai pas besoin de la batterie qu'ils m'offrent en échange, mais ce serait irrationnel. The most effective action I can take is to get fully charged on the dock station. Ouais, l'action la plus efficace que je puisse effectuer maintenant, c'est d'aller me recharger. Pas de problème, allons-y. Là, à se recharger. The dock station is not powered at the moment. I need to transfer power to it at the electric switch. Ah mince, c'est vrai, il faut mettre de l'électricité. Alors ce que je vais faire, c'est pour cet épisode, puisque du coup j'avais présenté le jeu dans le Humble Monthly rapidement parce que j'avais que la démo. Mais ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va aller jusqu'au moment où la démo se termine.
Donc vous, vous savez pas où c'est, mais moi, je le sais. Et ensuite, voilà, je vous ferai un autre épisode avec, avec la suite. Donc là, il faut qu'on égalise les deux sources. Donc on va enlever ça. On va enlever ça. Non, attendez. Pas celui-là. Si. Non. Si. Je sais qu'il faut mettre ça par là. Et on enlève ça. Parfait. Bois. Bois. Je l'ai déjà fait aussi. J'ai envie de perdre trop de temps, entre guillemets, aussi. Voilà, donc on va aller dormir. De toute façon, robot. C'est-à-dire que j'ai plus de batterie, donc je me recharge. Android. Encore un chargement. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? C'est aussi une sauvegarde, non? C'est pas ça? Quand cette icône apparaît, c'est qu'une sauvegarde, c'est parce qu'ils disent quand on lance le jeu, je crois. Voilà, la bonne question à se poser, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, tu te réveilles parce que tu entends du bruit alors que t'as pas d'oreille. Ensuite, tu regardes par la fenêtre, et une fois que tout ceci est fait et que tu vois un vaisseau écrasé dans ta cour, tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va se rendre au vaisseau, et c'est là où on sait qu'on est dans un jeu vidéo. Et oui, parce qu'on va arriver au vaisseau, et comme par hasard, vous allez voir ce que j'ai envie de vous montrer. On va essayer d'ouvrir. Je ne peux pas ouvrir la porte de la navette pardon, avec mes mains. Mais heureusement pour nous, on a réussi quand même à créer un plasma cutter la veille. Un cutter en plasma, voilà. Donc grâce à ça, on va pouvoir défoncer la porte. C'est pas génial ? Toute la rationalité du jeu vidéo. Là, on trouve un robot pas en forme. Bon, c'est le coin, je vais résoudre l'énigme vite fait, bien fait. En fait, je sais ce qu'il faut faire, donc je le fais. Pour le coup, c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour vous. Enfin, un petit peu dommage, je veux dire. Vous pouvez vous dire que, ouais, oh, c'est pas génial. Mais, je vous jure que je ne connais pas beaucoup plus que ce que je vais faire là. Je vais ramasser ça. Et je vous jure que ça vaut le coup, après, d'avancer un petit peu dans le jeu. Ce qui me gêne un petit peu, moi, dans ce jeu, c'est du coup le modèle économique. Parce que vous avez dû remarquer hein, que... Enfin, vous avez dû remarquer, non, pas forcément. En fait, c'est l'épisode 1. C'est l'épisode 1. Ah là, voilà, on ouvre ça. C'est l'épisode 1, donc je pense que ça va fonctionner un petit peu comme Life is Strange. C'est-à-dire que chaque épisode sera payant. Voilà, en même temps, il faut bien soutenir tout le travail qui a été fait là. Hein. Je veux dire, c'est vraiment un excellent jeu. Mais... De là à vendre chaque épisode séparément, s'il n'y en a pas trop, ça devrait aller. Il faut savoir que rien que le premier épisode vaut déjà 15€. Voilà. On peut trouver pas mal de jeux pour 15€ qui sont vraiment très bien et complets. Donc, il faut se poser des questions. Alors là, il nous a dit aidez-les. Et il me donne donc des chiffres.
Pas cool. The pilot is no longer functioning. What did he say? Le pilote ne fonctionne plus. And what are these numbers? Qu'a-t-il dit? Qui dois-je aider? Voilà, on va aller là-haut. Ah, c'est marrant, le code a changé. Enfin, je veux dire... entre la démo et là, c'est pas le même code, c'est marrant. 8, 3, 5. Donc, open hold. 8, 3, 5. 4. Ok, c'était pas ça. 8, 3, 5. 7. Bon, ça va. Deuxième coup, ça va, c'est raisonnable. I think this door is now unlocked. J'avais pas pensé à regarder cette porte tout court d'ailleurs. Qu'elle soit fermée ou pas. Voilà. On va regarder la porte, parce que j'ai envie de regarder la porte. It is obvious that this door leads into the hold of the shuttle. Il est évident que cette porte mène à la soute de la navette. Eh bien, voilà. On va ouvrir. Et c'est là la How fin is de la this démo. Possible? Comment est-ce possible? Et voilà, c'est comme ça que je vais mettre fin à cette vidéo. Et oui, le suspense. Donc, je pense que vous vous doutez de ce qu'on a trouvé, hein. Mais bon, je vais quand même pas vous spoiler. Dans le prochain épisode, du coup, on verra les conséquences de cette action, voilà, d'avoir ouvert la navette, d'avoir visité, et surtout de ce qu'on a trouvé, parce que c'est ça qui va être important. Il y a eu des petits indices dans l'épisode, hein, pas de ma part, mais de la part du jeu tout court, voilà. Donc je vous laisse y réfléchir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce rouge. J'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas du coup à me donner toutes vos hypothèses. Bon, même si j'ai l'impression qu'il va y avoir une convergence, hein, par rapport à l'univers, tout ça. Ou alors parce que certains d'entre vous se seront spoilés ailleurs. Puis voilà, si vous avez vraiment beaucoup aimé la vidéo, que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager aussi la vidéo. C'est un truc qu'on pense pas forcément à faire, mais si vous le faites, bah voilà, je vous ferai des bisous, mais pas partout. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, comme vous voulez, et je vous dis à la prochaine. Ciao !